bonsoir. La Terre tourne, le monde change, mais les grosses têtes sont là, là pour vous faire oublier pendant deux grandes heures l'inquiétude, les soucis, l'angoisse et les tracas, en vous offrant gaieté, rire, délire et bonheur. Voici, accompagné par le cher Bob Castel. Bravo. Les grosses têtes de TF1 et de RTL, vos grosses têtes. Bravo. C'est le plus émouvant de notre joyeuse bande, celui qui vous salue en levant les deux bras, qui pouffe, qui raconte, qui marche à la commande, doyen des somnambules, regardez, le voilà, Philippe Castelli. Rêve désormais possible des garçons boutonneux qu'avec argenterie et caresse, elle déniaise. Diva des casernés de la fête à Neuneu. Elle rit bien comme sûr une folle quand on l'appelle Thérèse. C'est et cela. Evelyne Leclerc. C'est cela, oui. C'est... Avec les remerciements, chef. Même s'il inscrit parfois au chômage les filles, c'est un très joyeux dri et un gentil garçon. Fidèle à TF1, honneur de sa famille, amateur des soirées qui finissent au ballon. Thierry Roland. Sanctionné pour jeunesse, insouciance et gaieté par les hiérarques moroses de l'âpre concurrence, il nous revient après une très longue absence. On tuerait le veau gras sans Carlos menacé si Evelyne n'était pas sa plus belle récompense. Vincent Perrault. Bonsoir. Ça fait du bien d'être là, tu vois. Il aura posé plus de lapins aux bécasses que fait attendre les filles de qualité qu'il aime. Quand il est en retard, se tailler dans la masse, prétend qu'il faisait le tour complet de lui-même. Carlos. On l'a vu au Cap Horn, à Brest et chez Castel, tantôt aux écouteurs, tantôt aux écoutilles. Phare pour les machos, prodigue de son sel, chassant les imbéciles et capturant les filles. Invaincu sur la mer et naufragé d'Ozon, l'amiral Olivier, vicomte de Kersauzon. De la rigolade, il explore tous les sommets, montagnard de l'humour, guide de la gaudriole, en imitant Raoul, Rita, l'héros, l'épais, en s'offrant des bouteilles et en se payant des fioles, Guy Montagnier. Vive Guy Montagnier. Non, ça arrive, ça passe, ça arrive, ça arrive. À ses débuts, il fut une belle baronne. Puis il joua à ravir les demeurés, les niais. Aujourd'hui, il déride, il séduit, il cartonne, mais il possède toujours sa petite tronche en biais. Sim. Il n'a même pas besoin qu'on le paye pour rire. Comme vous le voyez ce soir, il est au naturel, trépidant, rigoleux, farceur, en plein délire. À la fois Figaro, Scapin et Guillaume Tell, Francis Perrin. Bravo. 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 Il fait ce soir parmi les grosses têtes son entrée, avec sa joie de vivre. Son accent parigot, son tonus des bords de la Méditerranée, il est capable de tout pour placer un bon mot. Vincent Lagaffe. Bravo. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Elle commence par cette citation que nous devons à Madame Legras de Mimizan, qui a dit « Quéquet en juin, l'ayait en mars ». Des proches. Pierre Desproges. Pierre Desproges. Bien de réponse Pierre de Philippe Castelli. Miracle. Voilà.
commence très C'est la seule qui va faire. J'espère, monsieur Castelli, que vous allez répondre toute la soirée. Ne comptez pas sur moi pour toutes vos questions. J'ai perdu la mémoire, égaré mon Larousse, mon Robert, mon Maurice et mon érudition. Je suis un vieil acteur à la va comme je te pousse, et moins je suis capable de venir à la rescousse, plus j'éprouve le besoin de vos acclamations. La deuxième citation vient d'Aix-les-Bains. C'est Monsieur Lejeune qui la pose, qui a dit « La vie, c'est la culotte du désespoir soutenue par les bretelles de l'espérance. » Cardac, Francis Blanche. Bonne réponse de Sim. Bravo. Bravo, oui, bravo. Quel métier. Bravo. Ça fait plaisir de se rafraîchir par les temps qui courent. Allez, tiens. Madame Boulin, qu'est-ce que le satyriasis ? La folie des satyres. Pas exactement. C'est les femmes qui ont peur des satyres. Non, je crois que l'amiral connaît. Non. Ça concerne les hommes ou les femmes ? Les hommes. Est-ce que c'est sexuel ? C'est l'érection perpétuelle. C'est l'érection perpétuelle, en tout cas, sinon perpétuelle, au moins permanente. C'est... Bonne réponse de Sim. Voilà. Et vous l'avez enlevé de la bouche à Francis Est-ce Perrin. Nous savons de quoi nous parlons. En tout cas, bon, ça fait rire comme ça, mais il paraît que ceux qui en, sont frappés souffrent beaucoup. J'ai une histoire là-dessus, d'ailleurs. Il y a un jour, il y a Solange qui est très emmerdée, elle va voir le pharmacien, elle dit « Bonjour, monsieur le pharmacien. » T'as vu une bonne gueule, le pharmacien. « Monsieur le pharmacien, je suis désolé, mais alors, j'ai mon genre, je ne sais pas ce qui lui arrive, il n'y a rien à faire. Alors lui, il n'est pas atteint de satyriasis du tout, parce que alors, c'est vraiment, c'est spaghetti cuit. Hein. » Et là, moi, j'aime bien quand même. Est-ce que vous avez une petite ? Alors, le pharmacien lui dit « Oui, madame, voilà, vous prenez cette petite fiole, vous mettez 3 gouttes dans un verre d'eau, ça suffit largement. Hein. » Et alors, vous allez voir, il va être équipé d'un cadre, vous n'aurez plus qu'à mettre le vélo autour, il n'y a pas de problème. Ah, bah, c'est gentil, merci, elle rentre à la maison. Georges ! Oui, qu'est-ce que... Voilà, alors, j'ai pris un petit produit, tu vas t'en mettre 3 gouttes dans un verre, tu vas dans la salle de bain, moi, je me prépare, là, 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 elle se prépare. Georges, il est dans la salle de bain, et puis il se met 3 gouttes dans un verre, probablement il en met un peu plus, je sais pas, enfin il se passe quelque chose, et elle est là, ça lance, Georges, je suis prêt, ça l'entend. Oui, moi aussi, boum, rentre dans la salle de bain, Georges est par terre. Mais mon pauvre tout, mais Georges, réveille-toi, l'autre, il est là, ça va pas, hein. Alors évidemment, hop, au dodo, puis rien du tout. Oh, le lendemain, il va voir le pharmacien. Monsieur le pharmacien, écoutez, c'est pas possible. Ce truc, ça lui a fait tourner de l'œil. J'étais, donnez-moi une autre drogue. Ah, c'est un petit peu plus fort. C'est un petit peu plus fort. Vous allez voir, mais il faut vraiment qu'il en mette 2 gouttes. Hein. Bon, d'accord. Il arrive le soir. Georges ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Là, voilà, 2 gouttes seulement. Oui, d'accord. Il va dans la salle de bain. Elle se prépare, toujours. Hop, au lit. Je suis prêt. Oui, moi, je... Boum. Porte de la salle de bain. Oh, l'autre, il est par terre. C'est pas vrai, mais Georges, relève-toi. Alors, on peut... Non, on peut pas. Je m'énerve. Au lit. Oh, le lendemain, va reprendre le pharmacien. Donnez-moi un truc un peu plus costaud, ou puis qu'il fasse pas tomber dans les pommes, parce que quand même, là, à chaque fois, blam, il tombe dans les pommes. Il n'y a pas un truc, je sais pas, où il puisse vraiment... Hein? Et oui, alors ça, c'est très fort, c'est africain. C'est de l'extrait de bois bandé pour les anthémas. Avec de l'extrait de poil de fourmi mambala compressé, c'est très très fort. 1 goutte. Georges, 1 goutte s'il te plaît. Oui, bon, une seule goutte alors. Oui, 1 goutte, pas plus. Bon, Georges rentre dans la salle de bain. Et là, cette fois, Solange, elle regarde par la porte. Elle voit Georges qui se déshabille. Il prend un verre, de l'eau. 1 goutte. Il regarde et... De Madame Materne de Soumagne. Oh, quelle était la particularité de la cassette vendue aux États-Unis sous le titre « L'esprit et la sagesse
de Ronald Reagan. Il n'y avait rien dessus. Elle était complètement vierge. Ouais. Il n'y avait rien dessus. Mais ça, c'était les auteurs qui prétendaient que Reagan n'était ni sage, ni spirituel. Bonne réponse de l'amiral. Question de M. Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui provoque l'excitation du centre phrénique ? Evelyne. Phrénique, pH ? pH, oui. Ah. Et quand c'est frais et qu'on nique ? Et miche. C'est un rapport avec la colique frénétique ? Non, non. Encore que ça aboutit à une situation assise. Spasmodique. Ah, c'est quand on... Assise, quand on ne peut pas rester assis. Que l'un d'entre nous connaît bien et dont il souffre... Non. C'est le rire. Le rire. Alors, C'est le fou rire. Le fou rire. Non. Ça porte un nom. Le hockey. Ça peut être une maladie mortelle. Okay. C'est le hockey. Ouais. Bonne réponse de Guy Montagnier et de Carlos. C'est le hockey. Alors, parlons d'art, du noble art, car l'un de nos plus fameux champions est de passage ce soir à Bobino. Non. Je sais bien que la boxe ne fait pas partie de nos sujets de conversation habituels, mais je n'ai pas résisté au plaisir de vous le présenter. Faites entrer le champion. Enfin, si j'ai gagné, j'en sais rien. Quand on a déclaré les résultats, je dormais. De toute façon, depuis le début, je ne sentais pas le match. Pourtant, ça partait bien au début, hein. Au tout début. Avant le début, même. Et puis, quand le gong a sonné, le mec, il s'est levé. Et alors là, ça a été la nuit totale. Déjà, l'adversaire, c'était un noir. Mais pas un noir discret, un noir tape à l'œil. Le genre de mec qui a une revanche à prendre sur la société. Comme si j'étais responsable, moi, des siècles d'esclavage qu'il vient de traverser. C'est vrai, ça n'a pas dû être marrant tous les jours de ramasser du coton par 40 degrés à l'ombre. Seulement, il n'était pas obligé de rester à l'ombre. Et en plus, s'il n'y avait pas eu le coton, on n'aurait jamais eu le blues. Et puis l'arbitre, il était de son côté. Ça pète les yeux, ça. Il était tout de suite à compter sur mon dos pour un oui ou pour un non. Comme s'il ne savait pas qu'après 3 et 4, c'est... 5. 5. 6 et 7 et 8. Ah. Alors d'un côté, j'avais le Myriam Bakema, l'autre noir qui m'a oigné la gueule, l'autre côté, l'autre qui récitait ses tables de multiplication. Forcément, ça abîme le moral. Et puis, c'est pas pour être raciste, mais les noirs, tu tapes, les bleus sur le noir, ça se voit pas. C'est vrai, ils hésitent entre la petite gouttelette et la grosse hémorragie. Merde, moi, quand je prends un bourre-pif, je résiste, je saigne, je dégouline, ça met partout. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, je l'ai peut-être pas beaucoup touché, mais avec mes petits bras potelés, j'ai tellement brassé l'air autour de lui qu'à l'heure qu'il est, avec le courant d'air, il a dû choper une sacrée pneumonie. Alors, lundi, je rencontre Tiozo, le petit. Mardi, Tiozo, le vieux. Et mercredi, si j'ai la forme, je me fais les deux. Et gagné! De Monsieur Laclos de Montmirail, pour quelles raisons les services secrets britanniques et américains ont-ils eu recours, pendant la guerre de 39-45, au service d'un fabricant de jouets gonflables ? Pas les mannequins du débarquement. Faire des faux avions, pour faire les faux chars, pour faire les faux avions. Exactement. Canons, ouais. Pour fabriquer, mais vous avez tous les trois raisons, ouais, merci, à la fois merci. Des faux chars, des faux avions, et des faux combattants oui, qui trompaient l'ennemi lorsqu'il prenait des photos depuis les avions de reconnaissance. Bonne réponse de Carlos, de Guy Montagnier et de l'amiral. Question de M. Raison.
Et les pour saluer l'arrivée discrète de la gare. On t'a pas vu. On m'a pas vu. Question de Monsieur Raison de Paris. Qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que les autres? La queue. Oh. Les pieds, les pieds. La taille. Les oreilles. Non. Les cheveux. Le système pileux. Dans le travail. L'hymne national. Le salaire. L'hymne national, exactement. Bonne réponse de Guy Montagnier. Leur hymne national ne dure que 2 minutes. Et tous ceux qui ont été en voyage officiel dans ce pays ne l'ignorent pas. C'est un Chinois qui vient d'ouvrir un restaurant chinois et qui va à l'épicerie en face et qui fait « Bonjour, je voudrais 2 boîtes de canigo. » Le type il fait « Ouais, je te vois arriver, tu ouvres un restaurant chinois, tu demandes 2 boîtes de canigo, tu m'amènes les chiens, sinon je te file pas les boîtes de canigo. » « Oui, monsieur. » Il revient avec 2 Pékinois et dit « Voilà, les chiens, je voudrais 2 boîtes de canigo. » Le type lui donne les boîtes de canigo. Le type, le lendemain, il revient et dit « Je voudrais 2 boîtes de ronron. » Le type dit « Oh là là, tu viens d'ouvrir un restaurant chinois, toi, je te vois venir. Ouais, amène-moi les chats. » « Oui, monsieur. » Il revient avec 2 chats persans, c'est merveilleux. Il dit « Voilà, les chats, je voudrais les 2 boîtes de ronron. » Le type, il repart avec ses boîtes de ronron. Puis le troisième jour, il arrive avec une petite boîte. Et le type, il dit « Tenez, goûtez. » Le type, il ouvre, il met le doigt, vous savez, il fait « Ah, mais c'est de la merde. » Il dit « Oui, je voudrais 2 rouleaux de papier hygiénique. Une question facile de Mademoiselle Trudeau de Châteauroux. Quand un prêtre n'a-t-il pas le droit de baptiser et doit-il céder sa place à un évêque? Il a plus de 2 grammes. Au-delà de 2 grammes, il ne peut pas baptiser, ce qui risquerait de rater le bébé, de baptiser les chaussures, les voisins de palier et tout. Quand c'est un fils de prince? Non. De roi? Un fils de roi? Quand c'est un enfant entièrement possédé par le démon? Quand il a pas de... Quand il a déjà célébré l'office dans la journée. S'il a un lien avec la famille. C'est un enfant du curé? C'est un enfant entièrement trouvé. Non. Quand il est majeur. Je vais vous aider en vous disant que ça n'est pas un enfant. Une voiture, un bateau. Non, mais une c'est maison. Un avion. Un avion. C'est fait effectivement un objet. Un immeuble, un appartement. Et c'est le privilège de l'évêque de baptiser un bateau. Objet. C'est un véhicule? Non, pas du tout. C'est un... Un bijou? Une maison, une cathédrale. C'est un monument? Un être humain, c'est un monument. Une cathédrale. C'est un accessoire qu'on trouve dans un monument. Un objet. Une cloche. Le ciboire. Un ciboire. Une cloche. Voilà. C'est moi qui ai dit la cloche. Une cloche et pas une cloche en or, monsieur Sim. Une cloche en bronze, une cloche en airain. Bonne réponse de Sim. Question de monsieur Ruget de Courbevoie. Quelle est la différence fondamentale entre un cannibale et un anthropophage? Il y en a un qui mange la viande. Non, mais il y en a qui mangent de la viande de temps en temps, il y en a qui se nourrissent sans arrêt de viande. Exactement. L'anthropophage ne mange qu'accidentellement de la chair humaine, alors que le cannibale la met le plus souvent possible à son menu. Bonne réponse de Carlos. Ah ouais. Qui serait lui-même une sacrée aubaine pour les cannibales. Récemment, je crois que notre président est allé en Afrique. Et on lui a servi des plats. « Oh, écoutez, c'est magnifique, est-ce qu'on peut manger avec les doigts ?» Et le mec lui a fait « Non, les doigts, on les mange à part. » Question de Madame Le Prieur. Dagon-Coutainville. Oui, mais c'est pas la réponse que je vous demande. Oh, dans le Kama Sutra, qu'est-ce qu'on appelle le premier congrès? La levrette. Les préliminaires. Le baiser la sur la bouche. La position classique. Non. Il faut vous dire quand même que ça n'est pas l'acception que nous donnons à ce mot aujourd'hui, notamment dans la locution le palais des congrès. Hein. C'est lorsqu'on a un rapport avec une jeune fille. C'est la première jeune fois. C'est le dépucelage. La première alors, fois. Alors, exactement. Voilà. C'est la première fois. Que l'on a des rapports sexuels, ça s'appelle le premier congrès, joli. C'est assez joli. Très beau. Bonne réponse collégiale, mixte. Ah bah oui. Question de M. Bresson de Pierrefonds. Dans une voiture, à quoi sert le flotteur?
Dans le carburateur, C'est non. Pour oui. C'est pour l'arrivée d'essence, réguler et l'arrivée d'essence. Oui. On voit oui, que la GAF connaît bien la mécanique automobile, ça mesure le débit d'essence du carburateur. Débit d'essence constant. Dans le carburateur. Ah, bonne réponse aussi de Carlos. Et maintenant, c'est le moment, vous l'avez deviné, de notre grand concours d'histoire. Ah là, les mecs, il va nous faire sa petite pub commerciale. Vous marrez pas. Non, écoutez, me rendez pas. Non, de très grand. C'est vachement bien. Difficile, mais cette tâche agréable entre toutes. Mais on sait bien que c'est difficile, agréable, mais c'est très chiant, votre présentation. Une tâche qui, d'ailleurs, consiste à donner la vedette à quelqu'un de notre public qui la mérite bien et que vous allez applaudir. Bravo. Bravo. Ah, bravo. Alors, madame, n'en déplaise à l'amiral, vous allez vous nommer. Je m'appelle madame Henrich, Sandrine. Est-ce que je peux vous donner un conseil, chère madame? Oui. Relevez votre moumoute parce qu'elle vous tombe sur les yeux, vous n'allez pas voir Philippe Bouvard. C'est pas qu'elle tombe. Heureusement, elle a un bon ça, naturel. C'est galant. Hein, oui. C'est galant. Et vous ne la désarçonnerez pas comme ça. Où habitez-vous? Ah, il va se la faire. Où habitez-vous, madame? C'est Jacques Martin. Attends. Alors, elle est là, votre maman? Elle est venue avec votre papa? J'habite à Commercy, dans la Meuse. Ça y est, vous avez des enfants? Oui, quatre. Quatre. Si vous en voulez un autre, vous avez qu'à venir. C'est des questions passionnantes. C'est du grand reportage. Alors, je voudrais quand même faire remarquer à l'assistance que celui qui se moque de notre concours d'histoire est quelqu'un qui est incapable d'en raconter lui-même. Et alors? Laissons-le, c'est un jaloux. Il est fâché. Vous avez un mari, qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Oui, en général, qu'on a quatre enfants. Hein. Elle est là pour faire tout seul, les pauvres mecs. Que fait-il, votre mari, madame Henrich? Il est routier. Il est routier. Bon. Il n'est pas souvent là, là. Désolé, vous savez, il plaisante, hein. Nous sommes tous très respectueux de la famille et très heureux d'accueillir les gagnants du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar. Oui. Ah. Alors, ce concours est là. Là, je sens la jalousie de l'amiral. Parce que le chèque de 20 000 francs que vous allez recevoir, il aurait bien aimé l'empocher. Mais il ne l'aura pas parce qu'il ne raconte pas d'histoire. Et que vous avez su trouver l'histoire. Oui, monsieur l'amiral. Philippe, mais fais quelque chose. Il y a mon tapis qui va mourir. Henrich a su trouver l'histoire. Qui a triomphé continue, hein. De milliers d'autres, qui lui donne droit à... Il suit le fil de ses idées. Oui. Un abonnement d'un an à Téléstar. C'est pas un an et demi, c'est... fauteuil d'invité d'honneur, au sarcasme de l'amiral, mais ça c'est en plus. J'espère que ça vous fera un joyeux c'est souvenir. La merde, et à une version de cette histoire que j'ai confiée à Guy Montagnier. Allez, bon courage. Maintenant. Allez, vas-y, Bobby. Alors c'est Gérard le vendeur qui arrive dans une ferme. Et là, il garde sa bagnole dans la cour, hop, il rentre. Hop! Bonjour madame! Et la ferme, il n'y a pas Mathieu, il y a Sylvette qui est en train de faire la vaisselle. Bonjour monsieur. Madame, avez-vous un aspirateur? Ben non, j'en ai point. Ah! Ah! Madame, écoutez, ça tombe très bien. Car je viens ici vous présenter un magnifique aspirateur, un modèle super turbo-tubar 9000 à aspiration moléculaire. Oh, ben alors,
Où est-ce que je le branche, madame? Ben, c'est-à-dire que... Ah, madame, je vois ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que vous n'avez jamais eu d'aspirateur, vous n'en voulez pas, qu'un petit coup de balai de crin, ça suffit. Mais, madame, vous ne savez pas, erreur, ce magnifique aspirateur. Le balai de Super Turbo Tubar 9000 est un aspirateur extraordinaire. Aspiration moléculaire, qui va vous nettoyer tout ça en un clin d'œil, plus vite encore qu'un boa frileux qui enfile une chaussette de laine. Madame, un exemple. Mais c'est-à-dire que... Hop! Vous avez une poubelle? Ah oui, c'est une poubelle, j'ai... Bon, renversez-la par terre. Bah, c'est-à-dire que, monsieur... Hop! Vous allez voir, le Super Turbo Tubar 9000 va vous aspirer tout ça en un clin d'œil. Bah oui. Où est la prise, madame? Renversez la poubelle. Vous voulez vraiment que je renverse la poubelle par terre? Ah oui, madame. Et vous allez voir, s'il reste une seule miette après le passage de l'aspirateur, je mange tout ce qui reste. Oh, bah dis donc, alors... Mais vous voulez vraiment... Mais oui, voilà prise, renversez la poubelle. Bon, bah d'accord, renversez la poubelle, voilà. Bon, eh bien madame, vous allez voir. Vous allez vraiment manger tout ce qui reste par terre? Oh oui madame, je vous le jure, je vous en donne ma parole. Allons-y, voilà prise. Vous allez rire et bon appétit. J'ai pas l'électricité. Vous signaler que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour notre prochain concours d'histoire drôle un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr de votre bonne histoire. Et cette question de M. Pacotte de Lameray, qu'avaient en commun Beethoven, Georges Bizet et Gabriel Fauré? Ils étaient sourds. Ils étaient sourds. Eh bien, c'est une bonne réponse du doyen et du Benjamin, Philippe Castelli et Vincent Perrault. Question de M. Lussac. Qu'est-ce que ne fait jamais l'insecte appelé éphémère pendant sa courte l'amour. Vie. L'amour, il Zizi a pas besoin. L'amour, sa femme. Il ne vit que 24 heures. 50 ans. Il ne fait que tagada pampan le jour de sa mort. Mais il ne dort pas parce qu'il passe il une journée pas. Seulement. Une il journée. Ne dort pas. Il vole oui, il est meurt même après. Il n'a même pas le temps de niquer. Pas. Il est déjà mort. Si, si, il a le temps de se reproduire, sinon une, fois. Une journée, oui. Une fois. Oui, ben ça suffit. Il ne bouge pas, il regarde pas la télé, il regarde jamais la télé pendant. Il ne se marie pas, il ne voit pas naître son mange pas. Il ne mange pas. Ah ouais, je vous l'avais dit. Il ne mange pas, et d'ailleurs, il n'a pas d'orifice buccal. Bonne réponse de Carlo. Bravo, Carlo. Question de M. Rayon de Salon de Provence. Pourquoi, lorsqu'on se trouve au 20e étage d'un immeuble des États-Unis, peut-on considérer que si on était en France, on serait au 18e? Est-ce qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée? Il n'y a pas de 13e. Le rez-de-chaussée, c'est le premier. Il n'y a pas de 13e. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'Amérique. Pas de 13e, pas de rez-de-chaussée. Il n'y a pas de 13e et pas de rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est considéré comme le premier étage. Il n'y a pas de 13e. Il n'y a pas de 13e. C'est une excellente réponse collégiale masculine sur un sujet éminemment difficile. Bravo. C'est intéressant, hein. J'adore aller en Belgique parce que c'est des gens magnifiques et je crois qu'ils racontent aussi plein d'histoires contre nous, on voit la une. Ces deux Français qui sont là, il y en a un qui dit, tu vas voir quand les Belges sont cons. Dit, comment ils, tu vas voir, ils sont à la frontière belge, ils sont en vélo. Et ils rentrent, ils s'arrêtent à la première, premier pompiste qu'ils voient. Il dit, bonjour monsieur, vous pouvez nous faire le plein s'il vous plaît? Le plein, il n'y a pas de problème, il soulève la selle, il remplit le cadre de la bicyclette avec de l'essence, 3 litres. Voilà monsieur le plein, vous pouvez me faire le pare-brise s'il vous plaît? Oui monsieur, pas de problème. Ça va. Vous pouvez me gonfler les pneus? Et à ce moment-là, le Belge, il fait une grande claque dans la gueule au mec qui est sur le vélo. Il me dit, ça va pas vous? Excusez-moi, monsieur, j'ai fermé une fois la portière. Question de M. Legrand. Qu'est-ce qui a bloqué le trafic aérien complètement sur l'aéroport de Washington pendant une heure? Marc Blondel. Les oiseaux, des oiseaux. Non. Les soucoupes volantes. Le 21 mai 1993. Les sauterelles. Et les journaux du monde entier en ont parlé, et quelquefois sans gentillesse. Et qu'il a à boire monde entier là-dedans. Un accident. 93. Nous sommes le 21... Non, c'est parce qu'il s'est fait coiffer dans l'avion, Clinton. Exactement. Ouais.
Le Bill Clinton, tout fraîchement élu, avait fait venir un coiffeur dans l'avion présidentiel et on a bloqué l'aéroport jusqu'à temps que le coiffeur ait terminé. Bonne réponse de Carl. Oh voici cette question de M. Rondeau de Paris. Pour respecter la censure de l'époque, que dut faire Johnny Weissmuller avant de jouer le rôle de Tarzan? Se marier, de raser. Il s'est fait couper les. De raser les poils. Se raser, exactement, les poils du torse. Éliminer tout système pileux. Exactement, tout le système pileux. Et plus tard, d'ailleurs, on a boycotté ces films parce qu'il n'était pas marié avec Jane. Avec Jane. Bonne réponse de Guy Montagnier. Quoi ? Me laisser ainsi, hein ? Me laisser ainsi en cette vaine attente ? Moi qui voyais en vous le fils de Cupidon, hein ? Vous de qui j'attendais une ardeur consistante ? Mais ce modeste ornement n'a rien de folichon ! Je ne suis pas contente, vous m'offensez, monsieur, je ne suis pas contente ! Hein ? Je méritais le roi, je n'ai que le bouffon ! Enfin, mais regardez-moi ! Ne suis-je pas tentante? Et vous, regardez-vous, hein? Posez-vous des questions. Oh rage, oh désespoir, oh mollesse ennemie, n'ai-je donc en vécu que pour cette infamie? Mon fer de lance, mon vie, ma vie, mon orgueil, ma fierté, hein? Pour la première fois, te voilà terrassé. Oh, toi qu'avec respect autant de femmes admirent, me faire ça à moi, tu ne peux trouver pire. Toi dont j'étais si fier dans tant de corps à corps, tu culbutais les reines, les grues ou les pécores. Toi qui étais si prompt à présenter les armes, je t'en supplie pour moi, verse encore une larme. Je ne te connais plus. Rikiki, rabougri. Redresse-toi, redresse-toi, crétin. Sans toi, je suis trahi. Faut-il de ton état voir triompher la honte? Pour retrouver l'honneur, que veux-tu? Qu'elle te trompe? Que le courroux sur toi souffle en tempête et que, gonflé d'orgueil, tu dresses enfin la tête? Pour tester ma rancœur, j'ai toujours pas trop loin quelques sombres voyeurs embusqués dans un coin. Cesse de ricaner, assouvis tes instincts et passe pour là en de meilleures mains. Fabuleux ménage à trois. Quelques minutes de publicité et vous retrouvez vos grosses. Si Pec Citron dégraisse mieux et plus, c'est parce qu'il dissout très rapidement les graisses les plus tenaces. Allô ? Réconomie. Mieux et plus, c'est Pec Citron. Si vous avez rêvé d'être astronaute, décollage immédiat. Space Mountain, la plus grande aventure de la galaxie, à Disneyland Paris. Tiloui, si dans la vie il y a des poches, c'est pour l'emporter. Tiloui, la petite coque fromagère. Si fraîche, si fondante. Tiloui, il a plus d'un tour dans sa coque. Moi, Germaine, je dois dire qu'ils ont eu une sacrée bonne idée chez Lustuclu. Psst.
Un riz qui cuit en 10 minutes et en sachet, c'est bien pratique tout de même. Comme mon riz est cuit, je le verse dans une assiette. Une petite noisette de beurre pour le goût, un brin de persil pour la couleur. Y a rien à redire, sauf que n'est pas là. Qu'est-ce que je vais en faire de ça, moi, maintenant? Riz sachet cuisson rapide. Ça vous a plu, c'est Lustre Cru. Chaque semaine, avec la nouvelle méthode peindre et dessiner de Bordas et Larousse, en fascicule et en vidéo, vous avez chez vous un cours particulier pour apprendre toutes les techniques du dessin et de la peinture. Composition, harmonie des couleurs, touche finale. Avec peindre et dessiner, laissez-vous guider, conseiller, corriger et réaliser étape par étape vos sujets préférés. En cadeau avec le numéro 1, le numéro 2 et votre première cassette vidéo. Peindre et dessiner, une création Bordas et Larousse. Le riz cuisson rapide de Lustre Cru existe aussi sans sachet cuisson. Ben qu'est-ce que je fais alors? Je l'achète ou je l'achète pas? Comment reconnaître une vache qui fait du colomier d'une vache qui fait du camembert? C'est très simple, faites-les fuir. Yeah! Celle qui part vers l'ouest fait du camembert, tandis que celle qui part vers l'est fait du colomier, comme celui de président, tendre et crémeux. Alors, il vient d'où, le bon coulommier? Pour faire le coulommier, il n'y a rien au-dessus de président. Bon, bah, voilà, voilà. J'aurais quand même préféré que ce soit ma femme qui vous la présente, c'est quand même sa robe. Alors, le 13 juillet 1984, à 10h15, Catherine rentre dans l'église. Et je m'en souviens parce que le prêtre, c'était un gros rouquin. Quand je la touche comme ça, maintenant, ça me donne encore des frissons, quoi. Et si je voulais changer contre une Golf? Remarquez, je crois que Catherine ne rentre plus dedans. Hein. Je sais, c'est elle qui me l'a dit, alors je le sais, j'en suis sûr. Golf, c'est pourtant facile de ne pas se tromper. Tu veux tout savoir sur le corps humain? Alors demande Il était une fois la vie. Le numéro 1, cassette vidéo, livre et les premières parties du corps humain, 24,50 € chez ton marchand de journaux. 20 équipements de série sur la nouvelle série limitée Golf Match. Qui peut encore hésiter? Golf Match, à partir de 73 300 francs. Mardi, un vent de folie va souffler sur TF1. Je passe mon bac. Quoi? Termine à la 3 arts plastiques. Je m'appelle Madame Chameau. Quelle différence entre les tomates fraîches et l'intervalle qui n'existe pas? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ne sache rien? Moi. Je me sens tout nu tout d'un coup. La courge! L'homme sans désir est une courge. Silence! Pour vous décoiffer les idées, Montparnasse, Pondichéry. Mardi, 20h50 sur TF1. Excusez-moi, jeune homme, mais le stand écologie fait du logis, est-ce bien ici? Parfaitement, chère madame, et votre visite prouve que les vieilles choses sont encore à la mode. Oh, ce que vous êtes bien. L'écologie, c'est elle. Oh. La foodologie, c'est vous. Justement, eh bien, je voulais vous dire que j'en cherchais un comme celui-ci. Est-ce qu'il a une bonne surface de chauffe? Comme vous, chère petite madame. Oh. Attention, la plaque est brûlante. Oh, arrêtez, jeune homme. Vous allez m'enflammer. Bien sûr. Vous voulez voir le four? Mais je ne demande que venez, ça. Venez. Oh. La profondeur logeable. Oh. Hein, c'est, voilà. Oh. Attendez, je vous remets votre chapeau. Là, voilà. Ah, attention, attention. Voilà. Ah ben voilà. La douceur de la porte. Ah. Oh. Oh. Ah oui, oui, ça. Ah. Oh. 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 C'est de la fonte, c'est du solide, hein. Je suis heureux que vous en rendiez compte. Votre enthousiasme me fait plaisir à voir. C'est flatteur pour notre marque, mais vous n'avez pas tout vu. Venez par ici. Regardez cette petite merveille. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est un pot cacalytique. Oh, cacalytique. Cacalytique. Je peux... Mais allez-y, allez-y. Ah,
J'ai eu comme une bouffée de chaleur. C'est votre ménopause. Mais vous n'êtes que plus charmante, chère petite madame. Grand fou. Le bronzage de votre peau ravive l'éclat de vos yeux. Oh, alors vous, vous savez parler aux femmes. Excusez-moi, faut que je retrouve ma chaussure. Où elle est? Votre déhanchement naturel est d'une sexualité torride. Oh, permettez. J'aurai le plaisir de vous rechausser. Oui. Attendez. Venez par ici. C'est rien. Venez là, voilà, venez là. Ah, voilà. Vous devez voir le patron. De l'air, ma chère madame, mais je vais vous en donner de l'air. Venez avec moi. Je vais vous donner de l'air. Je vais vous emmener à la campagne où il y a de l'air et où j'ai aussi un entrepôt plein de meubles rustiques qui vous conviendront certainement, chère madame. Par ici. Bon week-end, monsieur Landru. Merci. Question de Madame Denise Bertin de Manosque. À quoi sert la glande uropygienne des oiseaux qui est située à la base du croupion? À dresser les plumes afin qu'elles soient imperméables. Exactement. Et tant que les plumes ne sont pas imperméables, ah, tu connais la plume, pas protégé. Hein. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. C'est ça parce que je vous rappelle que j'ai fait l'École nationale d'aviculture de Rambouillet. Et s'il y a une des choses à laquelle ça m'a servi, c'est vraiment à ça, c'est à répondre à des questions grotesques. Et d'ailleurs, je tiens à raconter une histoire qui m'est arrivée à l'époque en me promenant dans le parc du château de Rambouillet, qui est un très joli parc, qui menait à l'École nationale d'aviculture. Je marche sur le chemin, et tout d'un coup, sur le chemin, je vois sortir d'un buisson un petit poussin, tout petit, tout plein de caca. Oh, mais un poussin plein de caca. Oh, mais si. Alors qu'est-ce que je fais? J'avais un mouchoir dans ma poche, genre, pauvre petit poussin, viens là ici, je prends, le nettoie le poussin plein de caca, ça pue, quelle horreur, voilà, t'es tout propre avec un petit peu d'eau dans une flaque, voilà. Il est content, il me sourit avec ses dents. Ça va. Je vais pour reprendre ma route, hop, deuxième petit poussin plein de caca. Oh non, c'est pas possible, un deuxième poussin plein de caca. Alors je ramasse un petit poussin, plein de caca, je nettoie avec mon mouchoir. Il me sourit encore. Je vais pour reprendre ma route. Un troisième petit poussin. Ton petit poussin. Alors je ramasse un petit poussin plein de caca, je le nettoie. Et puis je vais pour partir. À ce moment-là, il y a Raoul le dégueulasse qui sort de derrière le buisson. Il fait, j'aurais pas du papier, j'ai plus de poussin. J'ai une autre histoire d'oiseau, mais elle est un peu plus... C'est des plus gros oiseaux. Elle est dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse. Non, c'est un Belge qui veut aller chasser l'autruche. Et il tombe sur un guide qui est homosexuel. Oui, elle est bien. Dégueulasse. Non, elle n'est pas dégueulasse. Il dit, vous croyez que je peux chasser l'autruche? Il dit, monsieur, l'autruche mâle, c'est l'animal le plus méchant et le plus terrible qu'on peut rencontrer. Il dit, ah ben pourquoi? Il dit, parce que l'autruche mâle, vous avez 3 balles, hein, on n'a pas le droit de plus de 3 balles. Si vous la ratez, il faut tirer dans l'œil en plus. Si vous la ratez, elle vous poursuit, elle vous attrape, elle vous tape sur la tête, elle vous casse la tête, elle mange le cerveau comme un jaune d'œuf. Oh mais mon Dieu, c'est pas possible ça. Elle vous mange le cerveau comme un jaune d'œuf. Oh là là, ça c'était... Alors on va quand même chasser l'autruche mâle, j'ai besoin de sensations fortes. Et ils partent et tout, chasser l'autruche mâle et tout, ils voient un troupeau d'autruche mâle, ils les suivent. Et tout d'un coup, il y a une qui est isolée. C'est à vous, monsieur, c'est à vous. Il est pédé comme un phoque, le guide. Et le type, il dit, alors, attention, je ne vais pas le rater. Pam, il tire la première balle, ricoche sur elle. Paf, la deuxième balle, ricoche. Paf, la troisième balle, ricoche. Oh la vache, l'autruche mâle commence à lui courir derrière. Le type a la trouille comme un fou. Il creuse un trou. Il se met dedans, il sort juste le cul du trou et il attend.
Et l'autruche mâle n'a rien à foutre, elle se barre. Et à ce moment-là, le guide arrive par derrière. Il ouvre son froc, et il commence à se taper le mec. Et l'autre lui dit, oui, tape, tape, tu peux taper avant que t'atteignes le cerveau. Hein. Oui, ce n'est pas Binta. Écoutez, à côté de mon histoire de poussin, de la non, merde. Non, 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 ça c'est dégoûtant, ça. Question de M. Vanier de Saint-Brieuc. Dans quel cas un homme en bonne santé peut-il être exempté de son service militaire? Hein? Comment ça, exempté? Ça va pas. Lorsqu'il est chargé de famille, lorsqu'il a des enfants déjà. Famille. Homosexuel, non? Non. On peut y aller, alors? Viens, Guitoune. Quand il est prêtre... Prêtre. S'il a une entreprise et des employés... Non, pas du tout. Quand non, il une question d'âge, pas malade. Alors, il est en bonne santé, il n'est pas soutien de famille, il n'est pas chef d'entreprise. C'est un peu votre genre, avec une cravate... Il a les pieds plats. Qui se gratte la braguette pendant des heures. Oui. C'est quoi comme genre de type? Expliquez-nous, parce que là, on ne comprend pas votre question. Eh bien, c'est quelqu'un qui est tout à fait apte à faire un militaire et qui, pourtant, ne le sera jamais. Il a une taille normale ou bien... C'est une femme. Il est absolument normal. Il n'a jamais été inscrit sur les listes... Exactement. Il a été oublié... Et lorsqu'il atteint 30 ans, la loi considère qu'on ne peut plus l'incorporer. Ah. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Alors avec 9 messieurs, c'est moi qui trouve. On n'est pas fiers. Hein. Question de Madame Lebas de Saint-Jean-de-Luz. Le savoir-vivre veut qu'à Bali, lorsqu'on offre un cadeau, on fasse quelque chose qui passerait pour une grossièreté. On le refuse. Non, on ne l'ouvre pas. On le met dans un placard sans l'ouvrir. Qui est très déroutant pour les balinais. On lui écrase avec le pied. On s'assoit dessus. Non. On laisse le prix dessus. On laisse le prix bien en évidence pour que la personne qu'on veut honorer connaisse exactement le sacrifice qu'on a fait pour lui être agréable. Bonne réponse de Philippe Castelli. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons à Bobino le public le plus talentueux du monde. Oui. Ah, quel lèche-cul ! Attends, t'as vu ? Quand je les vois autour de nous... Oui, en me retournant, parce que de face, je ne vois, t'as pas d'œil dans le trou du cul. Donc quand je me retourne, c'est que je les vois tout autour de nous. Fais des belles phrases, mon bébé. Si vous voulez, amiral. Voilà. Lorsque je les vois en faisant un tour complet sur moi-même, et que je les découvre si pétillants, avec l'œil qui frise et la même envie de rire que nous, je me dis que nous devrions... essayer de les aider à percer, à se faire connaître, à devenir eux aussi des vedettes. Voulez-vous les prendre en main? Je suis sûr que parmi l'assistance, il y a des publics et il suffirait de peu pour faire apparaître quelques talents. Alors, ça va être très simple, vous allez voir. Ça va être très très simple. Voilà, monsieur, venez là. Si. Venez là. Allez, hop là. Il y est. Voilà, venez-vous aussi. Venez là. Voilà, ça le fait rire. Allez, viens là. Voilà. Vous allez vous mettre au premier. Voilà, déjà. Mettez-vous là. Comme ça, on rentre. Alors, vous allez. Sa première fois. Oui, ça se voit. Hein. Bon, alors, tiens, ça vous fait rire, vous. Allez, hop là, au piqué. Je vais te monter, moi. Tiens, madame, venez, vous allez voir, vous allez faire, ça va être une bergère extraordinaire. Elle se cache dans son coin, ça y apprendra à se cacher. Voilà, venez, de l'autre côté, les femmes, allez pas vous mélanger tout de suite. Non, de l'autre côté. Elle reste du côté des garçons, file dans ta chambre, là-bas. Et hop, si. Voilà, mettez-vous bien contre le bureau. Voilà, on va tourner... un film, ou plus exactement, on va faire le casting pour l'amant de Lady Chatterley. Vous connaissez l'amant de Lady Chatterley? Ouais, eh ben on n'est pas couché. Bien. Alors, il y en a une de vous qui va devenir Lady Chatterley et l'autre va devenir l'amant. OK? Il est content. Bon. Alors, pour ça, on va faire une petite audition. C'est très simple, on va commencer avec messieurs. Vous allez chacun à votre tour venir au micro et dire cette simple phrase qui est « Ma chérie, me voilà ». Alors, imaginez une seule seconde que vous venez de passer 20 ans à la guerre. Pendant 20 ans, vous n'avez pas enlevé votre armure. Pendant 20 ans, vous n'avez fait que combattre. Vous n'avez pas vu votre femme. La fin de la guerre arrive. Vous avez traversé les contrées. Vous arrivez au pied de votre château. Et vous dites à votre femme qui vous attend depuis 20 ans, ma chérie, me voilà. OK? D'accord. Quel est votre prénom? Kiki. Eh bien, ça part bien. Kiki. Kiki, Lady Chatterley, ma chérie, me voilà. Allez-y.
Ma chérie, me voilà. Ouais. Pendant la guerre, t'étais dans les bureaux, toi. Hein, bien, Kiki. Ensuite, nous avons Marc. Marc, allons-y. Allons-y. Marc. Ma chérie, me voilà. Ah, il y a déjà plus... plus viril. Et ensuite, nous avons Bernard. Bernard, c'est parti pour ma chérie, me voilà. Ma chérie, me voilà. Oui, c'est... Ouais, bah. Bonjour, bonjour. Bien. Les 10 chasseurs, les... Eh ben, bonjour. Bien. Alors, on va tout de suite, avec l'applaudimètre, on va faire ça d'une manière tout à fait sympathique. On va choisir quel est l'amant de Lady Chatterley. Alors, pour Kiki, on applaudit 3 secondes. Si vous décidez que c'est Kiki l'amant de Lady Chatterley, vous applaudissez 3 secondes. Stop. Ensuite, nous avions Marc, s'il vous plaît. Ah. Merci. Et pour Bernard... Pour l'instant, c'est Marc. Marc, vous devenez l'amant de Lady Chatterley. Vous devez rester, il y a toujours des doublures, des accidents pendant le tournage. On ne sait pas ce qui peut se passer. Lady Chatterley, voilà plus de 20 ans quand votre castle, vous attendez le retour de votre chevalier. 20 ans de tricot, c'est-à-dire si l'écharpe est longue. Yeah, yeah. 20 ans que vous êtes assis dans la tour du château à regarder la contrée, à savoir si votre chevalier, votre destrier arrive, et il arrive. Il vient de poser un genou à terre, vous a dit « Ma chérie, me voilà », et vous, vous lui répondez « Mon amour, je t'aime ». Ok ? Quel est votre prénom ? Lise. Lise, elle va baisser le micro un peu parce que... Mais t'as merdé, là. Mon amour, je t'aime ! Lise, c'est à vous. Mon amour, je t'aime. Oui, vous n'étiez pas tout seul dans le château, hein ? Ah, il y avait du monde, hein ? Lise, ensuite nous avons... Géraldine. Géraldine, c'est parti, Géraldine. Mon amour, me voilà. Non. Oui, voilà. Bien, ouais. Ouais, ouais. Voilà, allez. Ouais. Ouais, 20 ans, ça fait 20 ans. Eh ben, c'est maintenant que t'arrives, hein. Bien, bien, Géraldine, bien. On a les yeux. Et nous avons Daniel. Daniel, c'est parti, c'est à vous. Mon amour, je t'aime. Oui, alors là, on n'y croit pas du tout. Alors là, on n'y croit pas du tout. Bien. Alors maintenant, c'est au public de choisir qui va devenir Lady Chatterley avec Lise pendant 3 secondes. Merci. Pour Géraldine. Merci. Daniel. On va dire que c'est Lise, hein, parce que c'est vraiment kiff-kiff, bourrico, bourrico, kiff-kiff. Bien, vous devez rester, on ne sait jamais, comme j'ai dit, des fois il y a des accidents. On va avoir des cascades à tourner, restez avec nous. Reculez un petit peu, Daniel et Géraldine, venez vous mettre ici, voilà. Les deux corse-dalles, là, les deux tracteurs, mettez-vous, voilà, voilà. Lise, asseyez-vous dans votre tour, voilà, vous êtes là dans votre tour et vous êtes en train de tricoter. Allez-y, à tricote, et à tricote, et à tricote. Bernard, Marc. Oui, oh, foutez pas la merde, vous, hein. Je m'appelle pas... Bon, Bernard, Marc. Marc, vous descendez, le plan qu'on va filmer, là, il est très simple. C'est-à-dire que vous revenez de la guerre, vous venez de traverser 20 000 lieues, non pas sous les mers, mais à cheval, vous descendez de la montagne, vous traversez la rivière, vous traversez la forêt, vous arrivez au pied de votre château, vous descendez de cheval, vous attachez le cheval à un arbre, vous ouvrez la porte, vous montez dans la tour, vous ouvrez la chambre de madame, vous tombez à genoux et vous lui dites « Ma chérie, me voilà » et elle vous répond « Mon amour, je t'aime ». Ok ? Tu peux faire le cheval ? Oui, tu vas faire le cheval. Tu vas faire le cheval, voilà. Alors, attention, voilà, vous faites comme vous sentez, ok ? Attention, c'est le cheval. Alors, l'amant de Lady Chatterley, première, c'est parti, allez-y. Stop ! J'ai dit la rivière ! Et la montagne. Tu veux faire la rivière ? Tu vas faire la rivière. Voilà, tu me fais une rivière comme ça, là, vas-y, fais la rivière, vas-y. Fais une rivière qui bouge, hein ? Non, pas un caniveau, une rivière ! Voilà, tu nous fais une rivière, allez-y, on recommence. Allez, on se dépêche, ça coûte cher la pellicule. Allez, tu nous fais la rivière, voilà. T'as la gueule de la rivière, je te dis pas, hein ? Attention, l'amant de Lady Chatterley, deuxième, c'est parti ! Voilà, non, la rivière, je te dis pas, il a passé l'écluse, hein ? Bon, allez, on attache le cheval à un arbre, allez. Bon, coupez. Le cheval, viens voir. Il n'est pas attaché, le cheval, il se balade.
Géraldine, vous voulez faire un arbre? Vous allez faire un arbre, venez. Voilà, vous allez me faire un arbre. Faites-moi un arbre, faites-moi un... Non, pas un platane, un charme. Voilà, faites-moi un charme. Bien, allez, le chevalier. Allez, c'est reparti, attention. Non, la rivière, elle bouge pas. C'est la rivière. Voilà, allez, c'est reparti. Attention, la mode Gédry, Châtelet, 114e, moteur, ça tourne. Allez, voilà. Et carrément, il va mettre le cheval. C'est le cheval qui va se faire l'arbre. Non, mais Joël, bon, c'est bon, le cheval, il est attaché. Les sabots autour du tronc, les sabots autour du tronc, voilà. Ah, il va bouffer les feuilles, je te dis pas, hein. Allez, on enchaîne. La porte. Ah oui, non, ça va pas. Vous voulez faire la porte? Vous allez faire la porte. Voilà, faites la porte, voilà. La serrure, elle est là. T'as la clé? Ouais, je te vois venir. Bon, le cheval, on repart. Allez, une dernière fois. Allez, on va y arriver. La rivière, ça bouge. Il y a du vent dans les sables, il y a du vent, voilà. Attention, la Montchetti, Saturday, 254e, action, ça tourne. Allez, attention. Le cheval. Voilà. Alors, attention, la phrase, vas-y. Ma chérie, me voilà. Mon amour, je t'aime. Ouais! De Madame Le Prieur, lors d'un repas russe, de quoi une femme est-elle dispensée? De jeter son verre derrière elle. Elle n'est pas obligée de faire cul sec, les toasts. On peut les boire en plusieurs fois. Oh, c'est une bonne réponse de Monsieur Montaigne. C'est un pote qui rencontre un de ses copains, il dit ça va toi? Non, pas terrible, j'ai une espèce de boule là, comme le stress, ça me serre, une espèce de boule en bas du sternum, je sais pas, ça me paralyse, je suis plus bien, j'ai plus envie de rien faire, chaque fois que ça me prend, c'est... Ah il dit j'ai eu ça aussi. Il t'a eu ça? Et oui l'année dernière c'est terrible, t'as eu cette boule? Ah oui, boule ici, le stress quoi. Et moi j'avais un truc super, qu'est-ce que tu faisais? Il dit dès que j'avais cette boule, le stress là, j'allais chez moi et je faisais l'amour avec ma femme. Je faisais l'amour avec ma femme, formidablement, très fort, et... Oh, fabuleux, j'étais bien après, super. Ah, dis bon, tu faisais ça. Et oui, chaque fois que j'avais cette boule, ce stress, je rentrais chez moi, je faisais l'amour avec ma femme, et... Vachement bien, ça allait bien. Tu devrais faire ça, il dit. Oui, peut-être. J'essaye tous les trucs et tout. Et 15 jours après, il voit son pote, il dit alors, comment ça va? Oh, il dit merci. Super, ton truc, vraiment... Oh, regarde, je suis détendu, je suis bien. Et à propos, c'est vachement mignon chez toi. Hein? Question de M. Hoc de Pont-à-Marc. Pourquoi Marcel Chevalier fut-il le premier fonctionnaire à être mis au chômage en 1981? Il avait gagné au tiercé. Nous sommes en 1981, François Mitterrand vient... Ah bah c'est un bourreau. C'était le bourreau et on venait d'abolir la peine de mort. Bonne réponse de Guy Montagnier. Un copain à toi. Question de Madame Longuet. Qui s'est marié 75 fois en disant, pour avoir une cérémonie rapide, il suffit d'aller chercher le maire et de lui coller un pistolet sur la tempe? Capone. C'est un Américain. Non, Pancho non. Villa. Eh bien, c'est Pancho Villa. C'est moi. Bonne réponse de Vincent Lagarde. Alors, le carbus entre deux. Oh là là, hé, monsieur, c'est à quel sujet? Ah, oh. Bonsoir. Bonsoir. Je suis contrôleur de gestion à TF1. Et je viens vous souhaiter à tous une bonne année 96. Alors voilà, bonne année, youpi. Ils doivent pas rigoler tous les jours à la gestion, hein. Ouais. C'est tout ce que vous vouliez, monsieur? Non, je suis venu aussi vous annoncer des restrictions budgétaires pour 96. Ah, il va falloir se serrer la ceinture, peut-être. Oh, j'ai bien peur que oui, monsieur Bouvard. Alors vous, on a calculé que votre voiture avec chauffeur nous coûtait très cher. On a décidé de la supprimer. Mais vous gardez votre chauffeur, hein. Il vous conduira désormais en vélo, vous serez assis à l'arrière dans un siège porte-bébé. Mademoiselle Leclerc,
TF1 vous supprime le compte que vous aviez à la pâtisserie en face de ses bureaux. Attendez, c'est pas trois gâteaux qui vont vous ruiner quand même? Trois gâteaux, non, mais trois tonnes, si. Plus de budget pour la voile. Plus de budget pour la voile. Tu te casses le binocle, on t'allume. Eh oui, ça fait jamais plaisir les restrictions budgétaires. Hein. Je vais me le faire, là, c'est cool. Monsieur Lagaffe. Oh, l'hermaphrodite. Attendez, j'ai une bonne idée. Certes. TF1 a pensé que vous pourriez lui faire gagner un peu d'argent cette année. Bah volontiers, mais comment? Eh bien, en chantant une chanson, par exemple, « Il est beau, le moujotte, il est laid, le lait ». Ça marcherait bien, ça. Oui, ça va faire un succès, hein. Excusez-moi, monsieur Perrin, voilà, j'ai une note pour vous. Ça fait 15 ans que TF1 vous paye des cours particuliers de diction chez un professeur, une certaine mademoiselle Lesourd. Vous y allez toujours? Ah oui, c'est une dame charmante, d'ailleurs. Elle est morte depuis 10 ans, monsieur. Vous avez 10 ans pour rembourser maintenant, c'est bien fait. Alors, monsieur Montagnier, c'est très bizarre. À chacun de vos galas en tournée, vous nous facturez 30 danseuses et 60 musiciens. Un inspecteur est allé vous voir. C'est votre femme qui fait la régie et votre fils qui vend les billets. Je vois que vous ne racontez pas que des histoires, vous en écrivez aussi. Monsieur Roland, restriction du budget oblige. Pour les matchs à l'étranger, vous n'irez plus à l'hôtel. Alors, on va coucher où? Eh bien, sur le terrain, dans une tente. Nous fournissons les réchauds à gaz et les duvets. Très bien. Puis vous filmerez le match au caméscope pendant que Jean-Michel Larquet fera griller des saucisses. Bonne année à tous encore en 96. Bonne année. Au revoir, monsieur le contrôleur Charvel. Question de Madame Martial Durincy. Pourquoi Edmond Rostand avait-il prévu, en écrivant sa pièce intitulée La Gloire, que l'héroïne serait constamment assise? Parce que c'est Sarah Bernard qui avait une jambe de bois. Exactement. Sarah Bernard était l'héroïne de la pièce. On l'avait écrite pour elle, cette pièce, et elle venait de se faire amputer d'une jambe. Bonne réponse collégiale. Elle avait une jambe de bois. Elle avait une parenthèse, une rondelle de caoutchouc. Ça me rappelle l'histoire de justement, c'est... ce trapéziste qui avait eu les jambes cassées pendant un spectacle. Alors le directeur du cirque est bien emmerdé. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Il me manque un trapéziste, c'est épouvantable. Comment je vais faire pour le numéro, là, tous les gens vont venir dans le cirque, ça va être terrible. Et alors il y a justement un impresario qui est là, mais, écoutez, on va essayer de trouver quelque chose, moi j'ai rien dans mes listes. Mais cherchez vite, il me faut quelqu'un pour ce soir, puis les semaines à venir. Et dans haut du chapiteau, il y a un type qui était là-haut. Non! Il est grimpé, excusez-moi Philippe, j'aime bien grimper sur votre bureau. Il est sur votre bureau. Il se jette dans le vide, il attrape le trapèze. Ah, il court. Sur la piste, il attrape le trapèze. Il saute. Ton pacemaker là. Il court dans tous les sens, il fait des galipettes, il tourne le long des piquets, il remonte dans le chapiteau, il redescend. Il arrive pour le directeur. Directeur, vous êtes formidable. C'est vous que je cherchais. C'est extraordinaire, vous êtes engagé. Jusqu'à la fin, vous allez me faire tous les soirs ce numéro. Mais non, mais ça va pas. Si vous croyez que tous les soirs, je vais me filer un coup de marteau sur les roubignoles. Question de M. Ménard, d'Uzès. Qu'est-ce que Chateaubriand a qualifié d'invasion de la France par un seul homme? Napoléon. Alors... quel épisode de l'épopée napoléonienne? Le sacre de l'empereur à Juan-les-Pins. Quand il est revenu de l'île d'Elbe. Ça s'appelle les 100 jours. Voilà. Le retour des 100 jours, effectivement, puisque Napoléon était seul ou presque pour reconquérir son trône. Bonne réponse collégiale. Question de Madame Richardson de Jouer-les-Tours. Qu'est-ce qu'on appelle l'hirsutisme? Bah c'est moi et Montagnier. Quand on a des cheveux dans tous les sens. Le système pilule incontrôlé. Donc on est quand plein de poils. Les cheveux sont implantés de façon très bizarre. De façon incontrôlée, voilà, c'est tout. Voilà, c'est un développement excessif du système pileux. On peut dire que l'amiral, qui a vraiment une belle nature aussi sur ce plan-là, je préfère avoir ça qu'un truc en plastique comme toi sur la tête. Mais venez le tirer, mon truc en plastique. Ah, il cherche bonne à se faire tirer. En plus, maintenant, il cherche à se faire tirer. Ça fait quand même 10 ans que j'entends parler de ma moumoute acrylique. On va aller vérifier parce que ça me paraît quand même. Non, ce qui me gêne, c'est que. Il a des faux cheveux. Vrai, hein. Il a des faux cheveux et il cherche à se faire tirer maintenant. Venez tirer.
Qu'est-ce qu'on est bien. Ah là là. Qu'est-ce qu'on est bien sans nos bonnes femmes. Oh, mais ta brassière, c'est du point de chaîne ou du point de croix? Franchement. Mais c'est pas une brassière, regarde donc, c'est une marinière. Oh, que c'est bête. Oh. Maintenant, un compliment vaut un autre. Je veux dire que ta petite salopette, elle est... Moi, je la mettrais avec une petite chasuble. Ah, ben si, ça ferait sortir ton côté docker en vacances. T'as des gros biscottos, faut les montrer. Oh, mais c'est pas con, ça. Ça va plaire au mec. Ah. C'est quoi ton ouvrage? Oh, ben en plus, je suis complètement à la bourre. Figure-toi que la semaine dernière, on m'avait demandé de faire un maillot de bain en angora mohair pour Evelyne Leclerc. Mais ça, c'est pas... Tu fais pas un string ou un cache-sexe pour Montagnier, non? Mais c'est pas un cache-sexe. Que je finisse ce qui m'est arrivé, Evelyne Leclerc. 18 pelotes de laine, 4 mois de travail. 18, ça m'a mis en retard. Ah, hein. Oh, ben ça un petit peu quand même. Qu'est-ce que c'est? Un très gros cube, elle est mignonne. Hein? Non, là, c'est pas un cache-sexe que je suis en train de faire. Là, c'est plutôt comment te l'expliquer. À vrai dire, on m'a demandé de faire un maillot de bain pour cime avec du fil d'Écosse pour renforcer l'entrejambe. Ah, dis-moi, fil d'Écosse, c'est bon pour l'entrejambe? Si c'est bon. Mais j'aurais surtout pas qu'il m'arrive la même chose qui m'est arrivée avec Bouvard. Je t'ai raconté. Avec la fifoune. La petite, hein? Fifoune, elle me demande d'y faire un maillot de bain. Non, ah, non. Alors tu me connais, non. Tu me connais. Un maillot de bain? J'hésite pas, j'ai fait un maillot de bain. Mais, oh, bah, bon, mais... Il le mettait pas en entier, sinon ça le grattait sous les bras. Bon, bref. Je lui fais son maillot de bain, je sais pas quelle laine j'ai pris. Oh, mais il en a pas du tout. Ah, on n'est pas bêté avec ça. Tout petit, on lui a enlevé, on n'a pas été emmerdé. Je lui fais son maillot de bain, figure-toi, il rentre dans l'eau, il sort de l'eau, pend l'entrejambe jusqu'au genou. Ah, ça, j'ai les goûts à se passer. Dis donc, on cause, mais le boulot, c'est pas. Hein. Oh, ben là, allez. Avoir un beau copain, c'est la chose la plus belle au monde. Avoir un beau copain, une maillot en droit, une maillot en vert. Et dis donc, mais... qu'est-ce qu'on est bien sur nos gosettes, dis donc. Bon, une fois qu'on est sans les fendus. Qu'est-ce qu'elle fait la tienne pendant qu'on tricote? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait la tienne pendant qu'on tricote? Ah ben la mienne, cette semaine, elle est au stand de tir. Les armes de poing, en ce moment, c'est son truc. Et la tienne, elle fait quoi? La mienne, lundi, elle a la boxe. Mardi, elle a catch. Et aujourd'hui, elle fait soin élastique. Qu'est-ce qu'elles sont viriles, nos gonzesses? Faut dire que toi, le soin élastique... Tu te ramasses la gueule, tu prends la gueule sur la course, je m'étale, je m'étale, t'as raison, je m'étale. Là, 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 là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Là, je fais un bonnet. Le bonnet de nuit du petit Thierry Roland. Hein? Thierry Roland? Tu sais, ben, tu rigoles, ça se déplume à cet âge-là. Ah, oui. Et ça prend froid à la petite tronche, là. Ah, ben, alors, regarde-moi ça. Je crois qu'il va être content, il est beau, non? Ah oui. Fais-moi hein? L'essayer. T'as la même taille. Attends, on va l'essayer. Oh, ça va t'aller bien. On va lui mettre. Il va nous le faire. Il le fait tellement bien. Mon titi, mon toto, mon roro, mon lanlan. Voilà. Mon bijou. Entracte publicitaire avant de retrouver vos grosses têtes. Mmh. Oh, c'est doux. C'est neuf? Non, lavé avec Myrlène et en machine. Le mien est si rêche. Je dois utiliser une lessive non adaptée à la laine. Les tests le montrent. Certaines lessives contiennent des substances qui peuvent altérer la laine. Avec Myrlène Supra en machine, elle reste douce comme neuve. Oh! Hop là! C'est doux. C'est neuf? Non, lavez avec Myrlène en machine. L'essai. Myrlène Supra en machine, c'est doux comme neuf. Bonsoir, quel est votre vœu le plus cher pour 96? Devenir président de la République. Bon, pour président de la République, ça va pas être facile, mais vous pouvez déjà vous payer une voiture de ministre. En janvier, Exantia est à partir de 92 400 francs. Jocelyne, rajoute un couvert. Le petit va rester dîner. Ah. En janvier, chez Citroën, votre vœu le plus cher est au prix le plus bas. Oh,
En général, la logique de l'assureur n'est pas celle de l'assuré. Au Mutuel du Mans Assurance, par définition, la logique de l'assureur est celle de l'assuré. Mutuel du Mans Assurance, l'autre logique de l'assurance. Entre les voyages diplomatiques, les photos officielles, les conférences, les documents à signer et son image à travailler, quand on est président, mieux vaut être bien dans son assiette. C'est pourquoi chez Nestlé, nous faisons tout pour lui garantir jour après jour des repas parfaitement équilibrés. Chez Nestlé, le président, c'est bébé. Ici, en langue de Roussillon, les petites notes font les grandes envolées. Un grand pays, des grands moments. Langue de Roussillon. Des gros, des petits, des grands, des mous, des gros joufflus, des petits pointus. On est tous différents, mais. On va se demander si on peut s'accepter tel que l'on est. Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce qu'il y a du boulot. Un débat sans complexe, comme un lundi 22h55, en direct sur TF1. Question de M. Caron de Châtillon. Quelles précautions sanitaires, médicales,
doit impérativement avoir prise un médecin militaire embarqué dans un sous-marin nucléaire d'attaque de la Marine nationale. Être opéré de l'appendicite. Oui, être opéré de l'appendicite. Ah, bah, excellente réponse, David Leclerc. À qui rien de ce qui touche le corps humain n'est étranger. À partir du moment où c'est médical... Question de M. Montignac. Écoutez, qui a grandement contribué au lancement et à la popularisation du T-shirt dans le monde? Marlon Brando. Chaque médecin. Marlon Brando. Celui qui portait notamment dans un tramway nommé Désir. Exactement, c'était en 1951. Et il a ainsi lancé la, scène, la mode. La scène. Ah, excellente réponse de Vincent Perrault. Bravo. Monsieur Béraud de Saint-Denis, où peut-on trouver des ouïes ailleurs que sur des violons, poissons les violons, sur les violons. Sur des violons, elle l'a les dit, violons. Elle est la première, elle est la seule. Et je suis vive Émile Leclerc. On s'est demandé souvent ici et dans les gazettes spécialisées... C'est à moi de vous parler, Philippe ? Oui. Quelle était la nature des rapports que vous entreteniez avec Évelyne Leclerc? Je vous trouve bien effronté parce que peut-être dans 30 ans je pourrais vous en parler, il y aura prescription, mais là c'est quand même encore tout neuf. Eh bien imaginez seulement que vous avez 30 ans de plus. Qu'est-ce qui est tout neuf? On s'est vite fait. Je pense à ma petite Évelyne, ma blonde, ma bombe, ma vieille coquine. Elle est déjà tout empaillée, c'était le seul moyen de la conserver. Mais aujourd'hui, que le plus gros treuil de la terre, et c'est maintenant de la soulever. C'est un coup à se foutre la gueule en l'air. Moi je ne suis plus assez musclé. N'arrive pas à l'oublier. Je pense toujours à ses baisers. Pouvoir encore la culbuter, c'est ma dernière volonté. Je t'aimerai toujours, ma petite Évelyne. Toujours. Voilà un petit vieux très alerte. Hein. Ça se passe dans un asile de vieillards. Il y a un vieux monsieur, très très vieux, qui est là. Il est là et il marche dans les travées de l'asile de vieillards. Il s'arrête à deux, trois plumards de ses copains. Il dit, quel âge j'ai, moi, hein? Tu devines quel âge j'ai, moi? Il fait, non, je ne vois pas. J'ai 92 ans. Oh, eh ben, tu les fais pas. Merci, tu es gentil. Il continue, un autre plumeur. Quel âge j'ai, moi? Tu devines quel âge j'ai? Non, j'ai 92 ans, hein? Oh, eh bien, tu les fais pas. Il continue à marcher. Et il y a une vieille qui l'appelle. Il dit, monsieur, venez voir. Oui, madame. Vieille dame, vieillarde. Moi, je vais deviner ton âge. Ah, comment? Baisse ton pantalon. Elle lui baisse le pantalon. Il lui baisse son slip. Et commence à jouer avec les cougougnettes et avec son petit lézard. Pendant 10 minutes, il ne se passe pas grand-chose, parce que vous savez l'âge du monsieur. Il dit, j'ai trouvé, t'as 92 ans, après qu'il ait joué pendant 10 minutes avec tout le machin, là. Il dit, comment vous avez trouvé? Il dit, j'ai tout entendu. Alors, il y a trois vieilles qui sont là, qui parlent ensemble. La première dit... Mais moi, j'ai 95 ans, mais alors la mémoire, ça va plus des masses.
Des fois, j'ai mes lunettes sur le nez et je les cherche partout. Et la deuxième fait fort, bah ça c'est classique. Mais moi non plus, j'ai la mémoire qui va pas du tout. Et hier, je mets de l'eau sur le feu, je vais dans le couloir, je reviens et je me dis, mais pourquoi que j'ai mis de l'eau sur le feu? La mémoire, ça va pas. La troisième qui fait mémoire, la mémoire, ça va très bien. J'ai 98 ans et là, c'est dur, dur comme de l'ébène. Ça marche, c'est dur comme du bois. Comme du bois. Entrez. Question de Monsieur Ponto. Pourquoi le dernier livre d'Agatha Christie ne fut-il, selon sa volonté, publié qu'après sa mort? Parce qu'il la mettait en scène. Fait mourir tous ses héros. Oui. Oui, monsieur. Hercule Poirot. Et ça s'appelle La mort de Poirot. Hercule Poirot mourait, et ça ne pouvait coïncider qu'avec la fin de son œuvre. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Madame Bisson de Montreuil, quelle pratique courante sur les radios locales françaises est-elle formellement interdite aux États-Unis? Les coups de téléphone avec les auditeurs? Exactement. Le coup de téléphone en direct avec l'auditeur est incompatible avec la législation américaine qui doit prendre des précautions parce qu'à la radio, il arrive qu'on dise un peu n'importe quoi et quand on s'en aperçoit en direct, c'est trop tard. Bonne réponse de Cibo. Bravo. C'est Édouard qui revient d'un cocktail et sa femme lui demande. Alors Édouard, comment c'était? Très bien, ma chérie, très bien. Les petits fours étaient bons. Oh, un vrai délice de papou. Et l'endroit, c'était comment? Magnifique. Et les toilettes, elles étaient belles? Oh ben ça, je sais pas, je n'y suis pas allé. Je vous rappelle que le grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée. L'auteur de la meilleure gagnera, vous le savez, 20 000 francs et un abonnement d'un an à Téléstar et il sera l'invité d'honneur de l'émission et son histoire sera racontée ici même. Alors pour cela, envoyez-nous vite cette histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran. En découpant dès lundi dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre afin d'être peut-être le gagnant de notre grand concours d'histoire drôle. Question médicale de Madame Thomas de Lyon. Quel est l'autre nom du testicule et la de couille. C'est la couille, mon pépère. Les gamètes. Ah non. Les gamètes, c'est les baboules. C'est une partie du bourgeois. Les roubignoles, le rouston. C'est les gonades. Les roupettes. Les gonades. Nous avons la gonade. La poire à peinture blanche. Et la gonade femelle. Bonne réponse de Cib. Voilà. Dites-moi, mon petit Thierry, vous n'avez pas l'air très en forme aujourd'hui. Ça va pas fort du tout. Si je suis en si triste état, c'est parce qu'on m'a cassé les noix. Il faisait nuit le long des quais quand un type m'a interpellé. Je me suis dit c'est un admirateur, c'est alors que j'ai compris mon erreur. Le type m'a dit t'es qu'un pourri, je vais te mettre les grelots en bouillie. Si tu en as, viens par ici. Je lui ai dit non, il m'a dit si. Ça t'apprendra à draguer ma bonne femme. Grâce à toi je passe pour un con à Paname. Il m'a collé un uppercut, m'a shooté comme un tir au but. Pardon je t'avais pris pour l'arquer. Cet enfoiré est un sacré sauteur. C'est également la vie de ma belle-sœur. Toubib m'a dit catastrophé, je crois qu'on va vous l'amputer. Comme je m'en sers plus, ça me fait marrer, je vais pouvoir le faire empailler. Mon petit oiseau de toutes les couleurs, mon petit oiseau de toutes les douleurs. Padadio pipipidou dadidad.
qui s'améliore tellement que son professeur de chant me disait ce matin, bientôt il vous fera plus rire. Question de Monsieur Jean Ribaud. Quel est l'animal qui change de sexe en mourant ? Le morpion. Le morpion, pendant sa vie, il change de sexe. Il a changé. Non. Le scorpion. Ça nage. Non, ça, un coquillage. Non, c'est pas prévu pour c'est, ça. C'est vous, moi, on, non, c'est un pas. Un crustacé, non. Un coquillage. Le ver. Non, c'est un mammifère. La vache qui devient un bœuf à l'abattoir. Exactement, hein. Parce qu'on n'a jamais commandé un rôti de vache à son boucher. Bonne réponse de l'amiral. Ah bah oui. Question de Monsieur Gaillon. Selon la légende germanique, qui portait les guerriers morts jusqu'au Valhalla ? Les Valkyries. Mais oui. Bonne réponse de l'amiral et de Guy Montagnier et de Carlos. C'est une histoire dans laquelle chaque homme ici présent peut se reconnaître. On a tous été, bien évidemment, on a tous été amoureux transis un jour ou l'autre et on n'a pas pu véritablement conclure comme on voulait. C'est un garçon qui commence à nouer des liens assez concrets avec une jeune fille qui lui plaît énormément. Elle l'emmène chez elle tous les soirs boire un dernier verre et au moment où il commence à vraiment plus en pouvoir, parce qu'il ne tient plus, il a envie de lui déclarer sa flamme, pile à ce moment-là, elle le raccompagne. Et puis un jour, il en a vraiment assez, il va voir un copain médecin à lui. Il lui dit, voilà, écoute, je t'explique l'affaire, ce que je viens de vous dire, il faut vraiment que tu m'aides sur ce coup-là, trouve-moi quelque chose, je veux conclure, je n'en peux plus, je vais en mourir. Il dit, écoute, j'ai quand même un petit élixir, tu lui mets 3 gouttes de ça dans son verre, et à mon avis, dans les 10 secondes qui suivent, elle te saute dessus, elle te viole littéralement. Ah bon, et ça va durer toute la nuit. Ah, pas mal. Il y va le lendemain, petit verre, etc. Et au moment où elle s'apprête à le raccompagner à la porte, il s'arrange pour verser 3 petites gouttes dans le verre de la fille et il se dit quand même, il faut peut-être être en forme si ça dure toute la nuit, je vais m'en mettre 3 gouttes dans mon verre à moi aussi. Et là, il a à peine le temps de se retourner. La fille déchire son chemisier, elle arrache son soutien-gorge et elle dit, je veux un homme, j'ai besoin d'un homme. Et le mec dit, oh merde, moi aussi. Question de M. Gragnon de Créteil. Certains Américains font suivre leur patronyme d'un nombre à 2 chiffres. Ouais. Que signifie ce nombre ? Deux. Dans le deuxième c'est du le nom. Le deuxième fils. C'est le deuxième du nom. C'est le niveau deuxième de la génération. Voilà. C'est la fortune qu'ils ont. Non. C'est les millions de dollars. Par rapport à l'état dans lequel ils habitent. Nombre de femmes qu'ils ont eues dans leur vie. Non. Nombre de divorces. Nombre de couilles. Nombre de deuils. Les maladies vénériennes qu'ils possèdent. Et ça peut aller de 0 oui. À 99. Oh la vache. À 99 couilles, il est content, lui. Oui. C'est une précision qu'ils se font un devoir de porter. C'est le nombre de descendants de ce nom-là. Non. C'est l'année d'arrivée sur le sol américain. Des descendants des Quakers. C'est les Quakers. Les fils de Quakers, les cornflakes, les enfants de Quakers. Non. Alors, les enfants du Mayflower. C'est une année. Vous c'est l'avez l'année dit, d'arrivée sur le continent mais américain. Quelle année ? Ça correspond à leur niveau d'études, l'année où ils ont eu le diplôme. C'est Harvard. Exactement. C'est l'année où ils sont. Ils sont sortis de l'école. Sortis de l'université d'Harvard. Perrosivore. Bonne réponse de Guy Montagnier. Alors qu'en France, on dit Leclerc. Question de M. Martenot de Dijon. Comment quel cadeau les États-Unis firent-ils à l'Algérie pour la remercier de ses bons offices dans l'affaire des otages américains qui étaient détenus à Téhéran ? La réplique de la liberté ? Non. Ils ont donné gratuitement aux Algériens... Toutes les émissions de télévision, Colombo... Dallas. L'intégralité de Dallas. Des feuilletons de Dallas qu'ils ont envoyés gratuitement là-bas. Un beau paquet, hein. Bonne réponse de Carlos et de Vincent Pierre. Ah, j'ai ton univers impitoyable. Ton univers impitoyable. Oui, c'est vrai, ça, c'est incroyable. Une bonne nouvelle qui va mouiller à la fois les yeux et les gosiers. Les grosses têtes ont leur confrérie. Hey à Doubon. Hey, vas-y.
Et d'ailleurs... Distingués connaisseurs, croyez bien, je vous prie, que grand est mon honneur de vous avoir ici. Pour vous introniser, je vous ai réunis pour qu'enfin vous soyez de notre confrérie. Oui, il est okay, des nôtres. Okay. Alors, que vienne le premier de ses fils de Bacchus. Ah, ce fils est une fille. Viens par ici, ma puce. Fils de gros cul. Ton enthousiasme fou à te précipiter laisse bien augurer de ta capacité. Ah, rien. Admire ce nectar, ce breuvage divin. Stop. Et pour goûter aussi, voici ce tasse de vin. Reconnaissez quand même qu'on tient là un bon cru. Un gros bien cru. En cuisse, rond en bouche, gouléant et fessu. Allez, viens, voilà. Pas goûter, voilà, ouais. Comme ça, pas plus. Non, hein. Merci. Pas gâter les bonnes choses. Ah mon Dieu, c'est trop bon, je vais m'en refaire une petite dose. Je le crois pas. Francis. Emballé, c'est pesé. Je te fais chevalier. Ah, toi, faudrait pas beaucoup pour t'intro. Nisez. Oh, ta famille est ici, regarde. Oui. Regarde ta gueule, ta gueule, ta gueule. Hein, regarde tous ces cons, cons. Frère. Compagnons du pipi, du pinard, fêlé du tire-bouchon. Voilà notre doyen. Je suis témoin de GVOR. Appuie-lui sur le pif, je parie qu'il sort du Beaujolais pif. Ah oui, ben ça c'est sûr. Oh, un miracle. Quand le mauvais temps menace les vendanges, ses coups de tonnerre à lui ne sont pas des vents d'ange. Montagnier, des vents d'ange. Belle heure. Ah, bah voilà, quand même. Ah, plus je parle, plus j'ai soif. Quel horrible dilemme. Oh. Allez, tiens, encore une. À ta santé, parce que pour faire la fête, on n'a rien de trouvé mieux qu'un coup de chaco, grosse tête. Il est des nôtres, il habite en mer comme les nôtres. Encore un petit entracte publicitaire et vous retrouverez les grossettes. Nous retrouvons quelques minutes. À tout de suite.